Une église de Satan va bientôt ouvrir ses portes en France. Vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Salut à tous et ma compagnie, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler d'un article que j'ai fait un petit moment, qui a été repris plusieurs fois, mais qui date de il y a à peu près 10 ans. C'était l'église de Satan qui allait ouvrir en France. Oui. Il y a des gens qui se sont dit en France, on va ouvrir une église de Satan, mais ça date d'il y a à peu près 10 à 20 ans, à peu près, hein, leur idée. En fait, si vous voulez, elle devait ouvrir ses portes à Paris, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'ils se sont fait emprisonner par les forces de l'ordre françaises. Parce qu'ils qu'on dirait, ils faisaient des choses sur l'humour pas très catholique, quoi, tu vois. Donc voilà, donc à la base, elle devait accueillir plus de 200 000 personnes sataniques en France. Et elle devait ouvrir vers le centre de Paris. Mais il y a ça 10 à 20 ans, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que il est arrivé que, bah, en fait, les forces de police, avant qu'ils ouvrent, ils ont été dans cette église qui a vraiment existé. Et bah, si on est rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs pas légal, déjà, consommation de cannabis, drogue, alcool ou autres stupéfiants, et s'amusaient à faire des. Comment ça s'appelle? Des sacrifices et tout. J'ai pas trop les termes exacts, mais j'essaierai de vous replonger dans l'article complet, donc je vous mettrai le lien en description. Donc bien sûr, l'article là, il date un peu, hein. Il date de plus de 10 ans. Hein. Voilà. Donc au passage, je voulais aller voir cet article. Hein. Je vous invite à la regarder. Par contre, il faudra que je mette une date. Pas qu'il passe en. Que je dise, oh, c'est un faux article. Non, non, c'est vraiment arrivé en France. À savoir que dans d'autres pays, il y a des églises comme ça qui existent. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi après, c'est pas ma religion, donc j'en pense pas moi, mais il faut que faut pas qu'il fasse n'importe quoi non plus, quoi. Voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur ma chaîne et vous êtes adorables. Voilà. Sur ce, c'était Matt. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Bisous, bisous. Et maintenant terminé, donc tu peux t'abonner avec le rond qui va apparaître ici. Ou tu peux regarder aussi les autres vidéos qui seront affichées là. Voilà, merci à tous.